Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de avec votre crayon de dessiner ce que vous voyez. C'est-à-dire, je vous demande pas d'aller dessiner les petites branches, je vous demande de dessiner la charpente. Ça peut être qu'un trait. Hein. De celui de droite. Mais vous pouvez faire celui de gauche si ça vous chante, ça fait pareil. Donc là j'ai quelque chose de très direct, basique, où on a vraiment toutes les grosses branches de charpente. On pourrait se dire que jusqu'à 5-6 cm de diamètre, on a jusqu'à 5-6 cm de diamètre. Puis là j'ai un dessin où on a peut-être davantage encore de ramifications. Et puis là encore davantage de ramifications, d'accord ? C'est étonnant, c'est-à-dire que vous avez tous les trois observé à peu près le même type de végétal, hein, ok, puis c'est le même arbre. Et puis vous êtes allé chercher plus ou moins loin l'indépendance et le nombre de fourches en fait. Il y en a qui ont interprété que les fourches s'arrêtaient à ce niveau-là, d'autres que ça c'était encore des fourches, et après là ça voudrait dire que ça c'est encore des fourches là. D'accord ? Ben, aussi fou que cela puisse paraître, en fait c'est peut-être celui-là qui est le plus diversifié là, qui est le plus proche de ce qu'on pourrait appeler la charpente. Cet arbre là c'est un arbre qui n'est pas fini, d'accord, il n'est pas terminé, il est en train de se développer encore. Donc en fait on a une charpente là qui paraît très complexe, mais qui est en train de se mettre en place. Cet arbre là il est en train de se développer, mais est-ce qu'il va se complexifier davantage? Là, il va se simplifier. Ben, il va arrêter de se complexifier en fait. C'est-à-dire que là au niveau division, on va se retrouver avec quasiment plus de division, quasiment plus de fourches créées. D'accord ? Il ne va plus faire que allonger, agrandir. Donc on aura bien encore un peu quelques petites fourches qui vont se créer, mais on se retrouve, on est quasiment au bout. Mais un arbre, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de développement. Il peut être petit et vieux physiologiquement, mais après vieux et jeune, il peut l'être si par exemple il fait des réitérations retardées totales. Si je massacre le chêne qui est là-bas et que j'enlève toutes les branches, il va rejeter et en fait finalement il sera physiologiquement jeune. Il sera le zéro. Et il sera reparti à zéro au niveau de son architecture propre. D'accord ? L'explication de pourquoi les treuils durent plus à vache. On en parlait de ça hier avec Caroline, c'est intéressant parce que en fait virtuellement les arbres ils sont immortels. Bon, virtuellement, parce qu'en fait c'est-à-dire que si on considère que chaque bourgeon c'est un nouvel arbre sur l'arbre, en fait on est en présence de colonies d'arbres. Et est-ce que, en fait, la démonstration la plus évidente, c'est si je prends sur un pommier de 150 ans un sarment, une branche, et que je vais le greffer sur un jeune, est-ce que je dis que j'ai une génétique de 150? Non. De nouveau, je pars à zéro. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de vieillissement physiologique. Il y a un vieillissement, enfin, il y a de génétique. Il y a un vieillissement physiologique. Il y a un vieillissement physiologique. Et ce vieillissement physiologique, William Moore, là, a lancé une hypothèse que je trouve chouette. C'est de penser à une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse Peau-Cœur. Et cette hypothèse Peau-Cœur, elle est liée au fait que ce qu'il appelle peau, c'est ce qui est en contact avec l'extérieur. Cœur, c'est la partie bois de la plante. En fait, il s'aperçoit que l'arbre, au bout d'un moment, il met en place tout son système de connexion à son environnement cosmique. Il est à fond, il est développé le plus grand possible, à l'image des chaînes qu'il y a là-bas, là, hein, tout à fait, il correspond parfaitement à ce que je veux illustrer.
Et donc, ils sont au maximum de leur capacité à développer leurs feuilles. Et puis, ils ont quand même, tous les ans, de nouveau, un nouveau chêne par-dessus le chêne de l'année d'avant. Tous les ans, un nouveau. Et donc, ils ont tous les ans davantage de cellules vivantes. Tous les ans, davantage de cellules vivantes. Donc, avec un nombre limité de feuilles, donc une capacité à choper l'énergie lumineuse limitée, ils se retrouvent à devoir nourrir de plus en plus de bois. Et donc, c'est comme ça que l'arbre finit par mourir de sa belle mort. Donc, en fait, on dit qu'un chêne, il passe 150 ans à grandir et 1000 ans à mourir. C'est assez évident, ça, dans une forêt. Un arbre de forêt, il vit beaucoup moins longtemps qu'un arbre de pré. Un arbre de forêt, il a la concurrence. Il va avoir tendance à monter, et être très en concurrence avec les arbres qu'il y a autour, et donc faire beaucoup de bois pour peu de feuilles. Et ces arbres-là, généralement, vivent pas très vieux. Hein. C'est pour ça que les forestiers s'évertuent à éclaircir de manière à continuer à maintenir un volume foliaire. Et au bout d'un moment, ils arrêtent, ils disent « il est mûr ». C'est-à-dire, il est mûr, c'est-à-dire, je ne peux plus augmenter sa surface foliaire, et donc je diminue la croissance. Et donc j'arrive à un moment où ma surface foliaire ne suffit plus à alimenter mon arbre. Et donc du coup, je perds du rendement, quoi. Ça peut durer 1000 ans. Enfin, ça peut durer 100 ans dans une forêt. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on choisit de couper les arbres pour régénérer et continuer à avoir une production dynamique. Donc, mûr, ça veut dire ça y est, il est prêt, quoi. Il est arrivé en haut de la courbe par rapport à sa place.